tout simple pour vous faire tomber. Mais l'Éternel délivre, l'Éternel c'est force moi, l'Éternel c'est défense moi. Faut que moi raconter moi tout ça lui fait pour moi, pour raconter travail li, on lui dit pas mourir. L'Éternel m'a secouru, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il faut que je déclare tout ce qu'il a fait pour moi, pour raconter ses œuvres. Il dit que je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, non, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. You push me to make me fall, but the Lord help me. The Lord is my strength, yes, he is my defense. I have to declare all that he has done for me. For declaring his words, he says that I will not die. Dios es mi fortaleza, Él es mi cántico. Tengo que contar lo que ha hecho para mí, para contar sus obras. Dice que no moriré, no moriré, viviré, no moriré, viviré. Raconter travail Seigneur, je raconterai les œuvres
de l'Éternel. Yo contaré las obras del Señor. Vous voyez que je parle créole, je parle français et je parle espagnol. Ou en parle créole, ou en parle français, en parle espagnol. Ve usted que yo hablo créole, yo hablo francés, yo hablo también espagnol. Cela veut dire, aujourd'hui même, l'émission se fait en français, en créole et en espagnol. Je dis hein, émission en français, en créole et en espagnol. Hoy, el programa, el show se hace en francés, en créole et en espagnol también. Avec un grand plaisir, le plus grand plaisir, la plus grande joie de ma vie, avec un plus grand plaisir qui gagne dans la vie, que je vous dis bonsoir, que moi dis non bonsoir, que yo le digo a usted buenas tardes, o puedo decir también buenas noches. A soya, moi content pile parce que moi avec nous. Ce soir, je me sens très 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 heureux d'être avec vous. Esta noche, me siento muy feliz de estar con usted. Je suis Paul Diver, Pablo. Moi, relé Paul Diver, Pablo. Me llamo Paul Diver, Pablo. Bienvenue dans l'émission nous, qui relé connaissance, c'est la vie. Bienvenue à votre émission, à votre show qui s'appelle La connaissance c'est la vie. Bienvenido a su show que se llama El conocimiento es vida. Je profite pour saluer mon ami de vue Haïti qui est branché l'émission, Isaac Fouchard. Jean Isaac Fouchard, un ami de longue date. Un amigo hace mucho tiempo que está en Haití, que está siguiendo, que está en train de suivre el programa que se llama El conocimiento es vida. Cap suivre émission sacrée, la connaissance c'est la vie. Fouchard, moi salue, moi profiter aussi pour me saluer tout le monde moron. Ça cap garder émission, ça gain pour garder émission, ça gain pour vivre émission. Ça qui a gardé émission comme nous gain notre ami Fouchard cap vive émission la connaissance c'est la vie. Mi amigo Fouchard Isaac está viviendo el programa El conocimiento es vida. Comme nous connaît déjà, comme vous le savez déjà, émission ça li fait en trois langues. Este programa se hace en tres idiomas. Nous faisons l'émission en trois langues chaque jour pour vous permettre de vivre la parole de Dieu para permitirle vivir la palabra de Dios, pour vous permettre aussi d'avoir une connaissance au niveau des langues, de parler les langues, de comprendre les langues, parce que la communication est notre affaire. La communication est très importante. Communication est très importante. Bien important en pile. La communication est muy importante en la vida de cada persona. Dans la vie de chaque personne, l'envie dans la vie de chaque monde. C'est pour cette raison, moi qui ai l'opportunité, moi qui ai cette grâce, je dis une opportunité, moi-même qui ai grâce ça, moi-même qui ai opportunité ça, yo tengo esta oportunidad pour moi partager connaissance moi, lorsque n'arrivez vive parole bon Dieu, manger parole bon Dieu, c'est toujours avec le grand désir, le grand plaisir pour moi-même pour me parler de bon Dieu, avec le plus grand désir pour moi de vous parler de Dieu, comme un grand deseo, un grand placer para mí de hablarle de Dios, la importancia de Dios, l'importance de Dieu, la importancia de Dios en su vida, importance bon Dieu dans la vie, ou même qu'à vivre. Ou pas gen bon Dieu dans la vie. Ou pas di ou manque un bagay, non? Ou manque tout bagay. Vous qui vivez,
n'ayant pas Dieu dans votre vie, vous manquez, il vous manque beaucoup de choses. En pile bagay dans la vie. Le falta mucho porque usted no tiene a Dios en su vida. Mais, ou même qui a bon Dieu dans la vie, ou tout, usted qui tiene Dios en su vida, ou gagne une vie qui assurée. Vous avez une vie assurée. Usted tiene una vida asegurada. Parce que le Dieu est votre abri le plus sûr. Bon Dieu, c'est abri qui plus sûr pour vous-même. Dios es el refugio. Dios es el abrigo más seguro para usted. C'est pour cette raison. Raison pour laquelle que moi invité ou même qui peut qu'on Christ dans la vie. La raison pour laquelle que je l'invite, si usted no tiene todavía Cristo en su vida, si vous pouvez gagner Christ dans la vie, si vous n'avez pas encore Christ dans votre vie, moi invité, le moment est venu, l'occasion la plus favorable, hoy, la oportunidad, la gran oportunidad para usted, para aceptar a Jesús Cristo en su vida, moment qui plus important pour accepter Christ dans la vie. Encore une fois, c'est toujours avec le plus grand plaisir lorsque moi présenté devant nous pour nous parler ensemble, pour nous parler de la parole de Dieu et pour acquérir d'autres connaissances, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Dios y para tener también otro conocimiento, pero primero el conocimiento de la palabra de Dios, la connaissance de la parole de Dieu, c'est la meilleure connaissance, el mejor conocimiento. Puis grande connaissance que vous gagnez, c'est lorsque vous connaissez la parole de Dieu. Et quand vous avez la parole de Dieu, c'est sûr que vous avez Dieu. Vous allez appliquer la parole aussi. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted va a practicar también la palabra de Dios. Vous allez pratiquer la parole là. C'est lui-même qui va le transformer. La palabra de Dios va a transformar l'eau. Parole bon Dieu va le transformer pour capable venir un monde nouveau. Que usted va a ser una nueva persona. Le sa wap lan Christ, wap gen Christ dans la vie. Usted va a tener Cristo en su vida. Usted va a tener Cristo, wap gen Christ dans la vie. Vous allez avoir Christ dans votre vie. Encore une fois, avec ce grand sourire toujours au visage, avec sourire ça qui toujours dans le visage, moi, que moi partager sourire ça avec vous pour toujours bien sourire là dans le visage tout. Moi dire merci et moi dire bienvenue. Je vous dis merci, je vous dis bienvenue. Yo le digo gracias, yo le agradezco y yo le digo bienvenido, bienvenido a su show que se llama El conocimiento es vida, qui rele connaissance c'est la vie. La connaissance c'est la vie. Vamos a tomar una pausa. Nous allons prendre une pause. Regresamos, n'a retourné pour nous continuer votre émission sous chaud. Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission La connaissance c'est la vie. La connaissance c'est la vie est une émission qui vous aidera à vivre la parole de Dieu. Elle vous permettra d'apprendre et de parler beaucoup de langues étrangères. Du lundi au vendredi, à partir de 7h du soir, en direct sur Facebook, avec votre ami Paul Diver, dit Pablo, une émission à nul autre pareil. Queridos hermanos y hermanas, bienvenido al programa El conocimiento es vida. El conocimiento es vida es un programa que le ayudará a vivir la palabra de Dios. Le permitirá aprender y hablar muchos idiomas extranjeros. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la noche,
en vivo por Facebook con su amigo Paul Diver. Pablo, un programa como ningún otro. Nous retourner pour nous continuer émission que Rémy, nous sommes de retour pour la suite de l'émission que vous aimez. Et estamos de vuelta para seguir con el programa El Show que a usted le encanta. Comme nous connaît chaque jour, nos bonnes opportunités pour capable vivre parole bon Dieu et pour capable pratiquer parole bon Dieu qui ont place spirituelle pour nous. Chaque jour, nous vous donnons l'opportunité de manger la parole de Dieu et de pratiquer la parole de Dieu qui est en place spirituelle pour votre âme. Cada día, le damos la oportunidad de comer la palabra de Dios. Le damos la oportunidad también de practicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es un plato espiritual, que es un alimento, que es una comida para su alma. Si manger ça qui a nourri nous. Cette nourriture est là pour nourrir votre âme. Lorsque vous mangez ça, ou pas qu'à grand goût sur le plan spirituel. Quand vous mangez la parole de Dieu, quand vous comez la palabra de Dios, usted no va tener hambre. Vous n'allez pas avoir faim. Ou pas qu'à grand goût. Usted no va a tener hambre porque siempre cada día usted tiene esta comida para comer ou bien manger ça pour manger. Eh bien, nous faisons émission ça chaque jour, du lundi au samedi. Nous faisons l'émission La connaissance c'est la vie du lundi au samedi. Cela veut dire chaque lundi, comment nous faisons, nous prêcher, nous parler, nous harmoniser, comment nous utiliser un comportement amical côté ou ses amis moins ses amis hein? Ma ba ou parole là ou ses amis recevoir parole là nous vient bien une ambiance spirituelle à nul autre pareil et un ambiente spirituel et puis nous faisons chaque lundi français créole et anglais. Je l'avais dit, si vous êtes intéressé à la langue anglaise, vous pouvez être toujours branché chaque lundi. Même lorsqu'on est toujours branché, mais on connaît que chaque lundi, on vient pour apprendre créole, on vient pour apprendre français, on vient pour apprendre anglais. Et chaque mardi, nous faisons émission en français, en créole et en espagnol. Chaque mardi, l'émission se fait en français, en créole et en espagnol. Cada martes, el show se hace en francés, en créole et en espagnol también. Chaque mercredi, l'émission est en français, en créole et en italien. Cada miércoles, el programa es en francés, en criol, en italiano. Et chaque jeudi, nous faisons émission pour vous. L'émission se fait en français, en créole et en portugais. Cada jueves, el programa se hace en francés, en criol y en portugués. Chaque vendredi, nous faisons émission en français, en créole et en allemand. Chaque vendredi, l'émission se fait en français, en créole et en allemand. Cada viernes, el show se hace en francés, en créole et en allemand también. Chaque samedi pour terminer, parce que c'est 6 jours, cada sábado, chaque samedi, l'émission se fait en français, en créole et en néerlandais, dans la langue hollandaise. Cada sábado, el programa se hace en francés, en créole et en hollandais. Cela veut dire qu'il y a une opportunité pour vivre message bon Dieu avec nous. Ou gen opportunité tout pour adapter avec langue parce que la communication est importante. C'est pour cette raison, si la communication est importante, les langues sont très importantes aussi. Si communication est importante, langue est important aussi. Si la communication est importante, los idiomas son importantes también. C'est pour cette raison, ou gen frère, ou gen ami, ou gen prédicateur, ou gen professeur qui est toujours là, disposé, disponible pour partager sa connaissance et au même auprès pour recevoir connaissance là,
pour que nous fassions ensemble la route, pour que nous fassions ensemble la route, para que hagamos juntos el camino, parce que n'a pas servi même bon Dieu, nous avons même l'amour, l'amour divin, nous avons le même amour, tenemos el mismo amor, el amor de Dios, porque Dios es nuestro padre, parce que bon Dieu c'est pas papa nous. Encore une fois, c'est toujours avec le grand plaisir que moi présenté devant nous pour vous offrir cette ambiance spirituelle qui la connaissance c'est la vie, côté que vous grandissez connaissance, vous allez augmenter votre connaissance, vous allez grandir votre connaissance, vous allez arroser la fleur de votre connaissance, usted va a regar la flor de su conocimiento. Nous saluer Zamino, notre cher ami Kergouz Singer Gabriel, elle est une animatrice, une présentatrice aussi, elle travaille à la radio TV L'Évangile à Gogo. Zamino Sœur Kergouz, li gen émission qui relaie louange à l'Éternel, à la bonne sasa al Seigneur, vous qui voulez parler espagnol, à la bonne sasa al Seigneur, louange à l'Éternel. C'est la sœur et Kergouz, la servante Kergouz, qui anime cette émission qui s'appelle Louange à l'Éternel sur la radio TV L'Évangile à Gogo, dirigé par le pasteur Elder Gabriel, mon ami aussi, pasteur Elder Gabriel, qui dirige el directeur de la radio TV L'Évangile à Gogo, el Evangelio en abundancia, s'il faut que je traduise en espagnol, L'Évangile à Gogo, el Evangelio en abundancia. Encore une fois, moi saluer et sœur Kergouz qui branchait émission que le remet, émission qui nourrit l'âme, elle programme que alimenta el alma, qui nourrit l'âme, l'émission qui fait vibrer le cœur spirituel, elle programme que hace vibrar el corazón espiritual. Émission ça, l'op vivli, li fait cœur content, oubliez tous les problèmes du monde. Cuando usted sigue este programa, usted está contento, muy contento, y como nuestra hermana, la animadora Kergouz Singer Gabriel, está contenta porque está viviendo un momento muy alegre, un moment de joie, un momento de alegría, y un moment de joie. Comme nous connaît, chaque semaine, nous choisissons prédication pour vous. Como usted sabe, cada semana yo escojo una predicación para usted. Moi choisis une prédication pour vous qui pour nourrir l'amour. Et prédication, ça nous prêche toute semaine, nan, même prédication, hein, mais nous prêchons dans plusieurs langues. Nous prêchons en plusieurs langues. Predicamos en varios idiomas. Predicamos en varias lenguas. Cela veut dire toutes les nations peuvent être branchées. Todas las naciones pueden estar conectadas. Toutes nations qui branchées. Chaque nation yo gen payo, parce que la Bible nous le dit de faire de toutes les nations des disciples. La Bible a dit vous ne faites nation yo, vous ne faites tourner disciples Christ là. La Bible nous dit que yo debo hacer de todas las naciones discípulos. C'est le travail que je suis en train de faire. Je dis merci à Dieu, je le digo gracias a Dios pour m'avoir donné l'opportunité de partager ma connaissance, qui m'a opportunité pour me partager connaissance moi. Et moi dis merci à tout le monde qui recevoir message bon Dieu a cap arroser nam yo avec message bon Dieu a, que bon Dieu toujours bénis nous, que bon Dieu toujours protège nous. Encore une fois, moi dis nous merci, moi pas joindre de mots pour exprimer le plaisir, la joie que moi gagne, le fait que vous êtes toujours branché l'émission quand vous êtes connectado, quand vous êtes connectada, vous êtes connectado. Me senti moins content, me siento bien. Encore une fois, comme je vous dis, nous allons prêcher, nous allons parler, nous allons évangéliser. Vamos a predicar. Una pausa. Yo regresaré. Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la vie est une émission qui vous aidera à
vivre la parole de Dieu. Elle vous permettra d'apprendre et de parler beaucoup de langues étrangères. Du lundi au vendredi, à partir de 7h du soir, en direct sur Facebook, avec votre ami Paul Diver, dit Pablo, une émission à nul autre pareil. Oui, amis, pamyo, frère pamyo, semyo tout. Moi, content de nous retourner pour nous capables de parler de la parole de Dieu. Que nous prenons ouvrir Bible, non. Je vous demande d'ouvrir votre Bible dans Proverbe 15, verset 33. Nous allons lire ensemble. Nous prenons lire ensemble. Vamos a leer juntos. Bien sûr. Claro que sí, vamos a leer. En français, en créole, en espagnol también. La Bible nous dit dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède de la gloire. Je reprends avant que je lise en créole et en espagnol pour vous. Proverbe 15, verset 33, nous dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. En créole, Proverbe 15, verset 33, dit-nous, lorsqu'on a crainte pour bon Dieu, eh bien, crainte ça li enseigne pour vous-même, yon sagesse, li rend nous vin sage. Vous devenez sage, ou vin sage. Humilité ou tout l'or humble, eh bien, c'est la joie liée. Ou à vivre dans la joie. Et en espagnol, Proverbios 15, versículo 33, la Biblia nos dice, Dios habla, la Biblia habla, y la Biblia nos dice, el temor del Señor, el temor del Señor enseña sabiduría. El temor del Señor enseña sabiduría. Y la humildad precede la gloria. Precede a la gloria. La humildad precede a la gloria. Cela veut dire, nous parlons de la crainte de Dieu qui enseigne la sagesse. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous devenez sage. Cuando usted tiene el temor del Señor, usted es sabio. Je dis el temor. Il y a la crainte de Dieu, il y a des gens qui non pas la crainte de Dieu, mais qui ont peur de Dieu. La crainte de Dieu implique, qu'est-ce que ça implique? La crainte de Dieu implique le respect absolu pour Dieu. El temor del Señor implica el respeto absoluto por Dios. Je répète, la crainte, quand vous avez crainte de Dieu, cuando usted tiene el temor de Dios, eso explica un gran respeto, el respeto absoluto por Dios, ou respecter Dieu. Et lorsque vous respectez Dieu, ou acceptez d'obéir aussi, vous acceptez d'obéir. Usted accepta de obedecer parce que vous avez la crainte de Dieu. Si vous avez peur, la peur de Dieu, cela veut dire vous pouvez avoir peur de Dieu parce que quand vous péchez ou qu'on est, vous ne voulez pas que Dieu prenne des sanctions contre vous, vous ne voulez pas que bon Dieu prenne sanctions contre vous, vous obligez peur.
L'offre qui fait péché, ya, ou dit, oh, wow, bon Dieu, pral punir moi. Ou peur, bon Dieu. Dieu ne vous demande pas d'avoir peur de lui. Bon Dieu, pas mandé ou pour peur. Bon Dieu, mandé ou pour gain crainte de lui-même. Dios le pide que usted tenga el temor. No el miedo. Pas la peur, mais la crainte. Parce que dans la crainte, il y a ce qu'on appelle l'amour. Il y a ce qu'on appelle la sagesse. Il y a ce qu'on appelle le respect. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le temor de Dios. Enseigne la sabiduría, lui enseigne sagesse, lui enseigne le respect absolu, lui enseigne aussi l'amour. El temor de Dios enseña la sabiduría, el temor de Dios enseña el amor, el temor de Dios del Señor enseña el respeto absoluto. Vous voyez, quand vous possédez ces trois choses, lorsque vous avez trois bagages, vous avez respect pour bon Dieu, vous avez l'amour, et puis tout, ou vinge sacré la sagesse. Maintenant, lorsque ou vinge yo à cause de la crainte de Dieu, pour el temor de Dios, ou vinge sacré aussi l'obéissance et la soumission. Quand vous craignez Dieu, vous avez l'obéissance et la soumission. C'est à partir de l'obéissance et la soumission qui pourra le faire ou appliquer les commandements de Dieu. C'est pas à partir de eux-même. Et c'est à partir de eux-même qui pourra le permettre ou gagner l'amour. Vous pouvez avoir peur de Dieu, mais vous n'avez pas l'amour pour Dieu. Vous connaissez, bon Dieu, qui a le pouvoir. Vous savez fort bien que Dieu est un Dieu tout-puissant. Quand vous commettez des. Vous faites. Vous péchez, quand vous péchez, quand vous êtes péca, vous savez que Dieu peut castigarlo. Vous connaissez, bon Dieu, qui a puni. Bon Dieu, capable de punir ou vine peur. Mais lorsqu'on est créatif pour bon Dieu, ou a essayé tout ça, ou a fait suivant la volonté de Dieu. Tout ce que vous avez fait, vous avez voulu faire selon la volonté de Dieu. C'est lorsque, à partir de ce moment, vous avez craintif pour bon, vous avez crainte de Dieu. Et deuxièmement, tout nous dit, la peur de Dieu, qui ça lui fait vous? La peur de Dieu vous éloigne de Dieu. La peur de Dieu vous éloigne de Dieu. Dieu pas mandé pour peur non, frère. Bon Dieu pas mandé pour peur non, frère. Dieu ne vous a pas demandé d'avoir peur de lui. Dieu no le pide que usted tenga miedo de él. Il pas mandé pour peur. Parce que la peur est capable d'éloigner de Dieu et de ses grâces. Grâce, mon Dieu, fort là. Mais la crainte de Dieu, el temor del Señor, si la peur vous éloigne, el miedo le aleja, mais la crainte de Dieu ouvre les portes de bénédiction pour vous. El temor del Señor abre las puertas de bendiciones para usted. Parce que vous marchez sous trace, mon Dieu, lorsque vous avez la crainte de Dieu, vous aimez Dieu, vous êtes ama a Dios, vous respectez Dieu, vous êtes respecta a Dios, vous respectez mon Dieu, vous suivez mon Dieu, vous avez soumission, sur soumission, vous tenez la soumission, vous êtes tiene también la obediencia, l'obéissance. Vous avez l'obéissance, usted tiene la obediencia. C'est tout bagay sa yo, lorsque ou vin gen crainte pour bon Dieu, c'est li vin rano humble tout, ou vin humilde, vous devenez
humble pour ce que la Bible nous le dit. L'humilité précède la gloire. On prend une pause. On revient tout de suite. Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission « La connaissance, c'est la vie ». « La connaissance, c'est la vie » est une émission qui vous aidera à vivre la parole de Dieu. Elle vous permettra d'apprendre et de parler beaucoup de langues étrangères. Du lundi au vendredi, à partir de 7h du soir, en direct sur Facebook avec votre ami Paul Diver dit Pablo, une émission à nul autre pareil. Bien sûr, nous de retour pour nous continuer bel message. Nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Estamos viviendo la palabra de Dios. Juntos, que c'est bon lorsque nous branchés pour nous passer un moment spirituel ensemble. Vous êtes branchés pour vivre la parole de Dieu. Le Dieu que vous aimez, bon Dieu que vous aimez. El Dios a quien usted ama, bon Dieu que vous aimez. Eh bien, nous avons parlé de la crainte de Dieu. Et pour vous humble, vous êtes humilde. Eh bien, on dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Parce que la crainte de Dieu, si la crainte de Dieu enseigne la sagesse, el temor de Dios enseña sabiduría, eh bien, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Et c'est même crainte de Dieu ça qui menait à soumission. Parce que de vous venez sage, vous venez apprendre la parole de Dieu, les venez rendre sage. Et pas vrai? Usted aprende la palabra de Dios, li vin rendre sage parce que ou a pratiqué la parole de Dieu. Usted practica la palabra de Dios. Usted se devuelve como sabio. Vous devenez sage. Et pour cette raison, la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Crainte bon Dieu, c'est lui commencer sagesse. Sagesse, la bagarre, commencer, c'est sagesse, libor. La crainte de Dieu. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. De la sabiduría conduce a la obediencia y a la sumisión también. La crainte de Dieu mène à la mène à la soumission. La crainte de Dieu mène à la soumission. La crainte de Dieu mène aussi à l'obéissance. Maintenant, la Bible, comme nous connaissons, vous savez fort bien que la Bible est un livre de référence, un livre de référence. Tout ce que je dis, je le dis à travers la Bible. Tout ça m'a dit, moi, je n'ai dans la Bible, ça m'a expliqué. C'est à la Bible parce que c'est le plus grand livre du monde. El más grande libro del mundo, c'est pas vrai? El más grande libro del mundo, c'est le plus grand livre du monde. C'est là qu'il y a plus connaissance. Là où vous pouvez trouver plus de connaissance, c'est dans la Bible. La connaissance biblique, el conocimiento biblico. Eh bien, lorsque nous allons dans Psaume 128, verset 1er, on nous a parlé de la crainte de Dieu, eh bien, nous avons preuve à la vie que la Bible a banné. Nous allons dans Psaume 128, verset 1er, qui ça le dit nous, tout homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. C'est pas vrai? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Bendecido. Todo el hombre que tema. Ok. Todo el mundo. Cuando la Biblia dice tout homme. Todo el mundo que tiene temor del Señor. Que también camina en sus caminos, que camina en sus caminos, qui marche dans ses voies. Maintenant, je deviens heureux quand je marche dans ses voies, les voies de Dieu, et je crains l'Éternel. Yo tengo temor del Señor, je suis heureux. C'est dans
les Psaumes 128 verset 1er. Li continue la Bible a sigue diciendo parce que nous gain preuve encore. Dans Proverbe 22 verset 4, dans Proverbe 22 verset 4, li dit le fruit de l'humilité. Donc il t'a parlé la Bible, il t'a parlé nous de l'humilité parce que dit non et l'humilité précède de la gloire, c'est pas vrai? L'humilité Meldo, le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Le fruit de l'humilité et la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. Ça veut dire fruit humilité. OK, récompense le fruit de l'humilité l'on humble et lorsque on gagne crainte de l'Éternel ou on richesse. La riquesse ou on richesse ou possédant richesse. Ou posséder la vie tout. Lidou, la richesse, c'est la richesse, la gloire et la vie. La gloria et la vida. C'est dans Proverbe 22, verset 4. Et pour continuer dans Jacques 4, verset 10, il dit nous, humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Lorsqu'on humilie, humiliez-se ante el Señor. Humiliez-vous, l'or, humiliez-vous devant l'Éternel. Humiliez-se ante el Señor. Il lo exaltera. La levée. Lorsqu'on ne prend pas gros collet tout, ou prend pas c'est vous qui possédez la connaissance, ou son puits du savoir, ou son. Comment ne pas même gagner encore, pour me dire. Pour tellement montrer que vous connaissez, pour tellement montrer que connaissance est dans vous-même, vous avez la connaissance, c'est vous qui possédez la connaissance, vous êtes possédé, el conocimiento, pour ne pas respecter bon Dieu. Le ça, il n'y a pas élevé, non? La descend, non? La barre, mais lorsque vous croyez dans lui-même, vous respectez la parole, vous avez Christ dans la vie, la exalter, la lever. Encore une fois, amis, moi bien content parce que nous toujours branché émission. La connaissance, c'est la vie. Nous voulons saluer quelques personnes. L'émission La connaissance, c'est la vie est dans l'air. El programa, el conocimiento está en el aire. L'émission Connaissance, c'est la vie, elle est dans l'air. La vie, vous pouvez brancher. Marie-Thys de Ville, je te salue. Faire tomber, mais l'Éternel délivre. Maïti, je te salue. L'Éternel s'y force moins. L'Éternel s'y force moins. Faut que moi raconte mon. Tout ça lui fait pour moi. Pour raconter travail, on lui dit pas pourrir. Moi pas pourrir. Je salue Haïti. Moi pas pourrir. Ma vie. Et moi raconter. Travail l'éternel. Dieu le Seigneur. Amiga mia. Tu me poussais pour me faire tomber. L'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Et le sujet de Pastor Gina. Il faut que je déclare tout ce qu'il a fait pour les saludos. Pour raconter ses œuvres. Il dit que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je ne mourrai pas. Il doit l'accoucheur. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. You push me to make me fall, but the Lord. Pastor Armando Alexandre. Yes, he is my Pastor Armando. I have to declare what Alexandre. He has done for me. For declaring his words. He says that I will not die. L'église de Dieu, il dit son nom. I will not die. I will live. I will not die. I will live. And I will declare the works of the Lord. And I will declare the works of the Lord. Même toi, c'était para caer. Pero Dios me ayudó. Dios es mi fortaleza, él es mi cántico. Tengo que contar lo que ha hecho para mí, para contar sus obras. Dice que no moriré, no moriré, viviré. No, 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 no.
pasteur oui dégant et moi après raconter travail éternel generation et moi après raconter new generation et moi après raconter travail éternel et moi après raconter travail éternel et je raconterai les œuvres de l'éternel et je raconterai les œuvres de l'éternel. Bishop Lionel Paul de l'église La Pierre Angulaire, Docteur Précieuse Paul de l'église La Pierre Angulaire, l'église de Dieu La Pierre Angulaire. On salue Haïti, je salue Haïti, la France, les États-Unis, le Canada, tous les pays du monde. L'émission La Connaissance de la Vie et le programme Reconocimiento en Vida. ¡Qué bueno! De la contaré las obras del Señor. Contaré, 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 yo contaré. Contaré, 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 yo contaré. Contaré, 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 yo contaré. Y yo contaré las obras. Yo saludo al obispo Sam Celestin. Me saludo al bishop Sam Celestin. La première église Apocalypse de Queens. M'a salué son épouse, pasteur Nirva Célestin, de l'église, de la première église Apocalypse de Queens. Encore une fois, m'a salué pasteur Ruth Degan de l'église Generation to Generation, pasteur Estinville Emmanuel, pasteur Christelle Degan. Je salue mon ami Elder Gabriel, Elder Gabriel, le pasteur Elder Gabriel. Je salue aussi mon ami Jacob Alteron, je salue mon ami, diacre David Lafortune. Que bon Dieu bénisse nous, merci parce que nous toujours et prend soin pour nous garder. L'émission La Connaissance de la Vie, vous êtes siempre sigue el programa, el conocimiento es vida, pour nous capables de nourrir nous, pour nous capables de manger parole, bon Dieu, parce que nous connaissons, c'est la nourriture la plus délicieuse. La nourriture la plus savoureuse, la comida más sabrosa, c'est la parole de Dieu, la palabra de Dios. Encore une fois, moi, t'es content parce que nous avons, nous vivre un moment ça, chaque jour du lundi au samedi, quand nous vivons un moment spirituel pour que nous content, pour nous dormir bien. Nous attendons des paroles, bon Dieu, vive parole, bon Dieu, moins content et mission moins. C'est pour moi prêcher l'évangile par tout le monde. Comme mon Dieu fait nous grâce, il fait nous parler plusieurs langues. Es una gracia que yo abro varios idiomas, que yo puedo hablar varios idiomas para predicar la palabra de Dios. Je suis capable de prêcher la parole de Dieu en plusieurs langues. Non seulement les Haïtiens vivent le message de Dieu, mais il y a beaucoup de nations qui sont branchées, qui ont l'habitude aussi, qui m'appellent pour me dire comment ils se sentent. Content, les personnes qui se sentent contentes, les gens qui se sentent contents pour me dire cómo se sienten contentos cuando siguen el programa, cuando viven este gran momento, el conocimiento es vida, et à vivre beau moment ça, qui c'est la connaissance et la vie, non seulement à manger la parole de Dieu, mais à arroser fleur connaissance, si vous voulez plus connaissance. C'est toujours avec un grand plaisir, siempre con un grand placer, que moi devant nous, pour moi, à nous émission ça pour nous divertir, nous pour nous amuser nous sur le plan spirituel, pour nous capables toujours contents, parce que moi toujours voulez nous contents, je veux que vous soyez toujours contents, je veux que qu'il y ait toujours ce grand sourire dans votre visage, je quiero que haya siempre esta gran sonrisa en su cara. Zaminoali, c'était frère, c'était votre frère, su hermano,
votre ami, su amigo, votre prédicateur, su prédicateur, votre professeur, su professeur, Paul Diver, Pablo, dans l'émission La connaissance est la vie, el conocimiento es vida. Buenas noches. Passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Passez une bonne nuit. Tenga una buena noche. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu protège nous. Que bon Dieu prenne soin de tout le monde, moi content. Bon Dieu remet nous, moi remet nous. Et je sais fort bien, je suis sûr, plus sûr que le sûr qui s'assure, que vous m'aimez aussi. Estoy seguro. Estoy seguro que usted me ama. Estoy seguro que usted ama a Dios. Et usted sabe bien que Dios lo ama, que Dios la ama. Encore une fois, je vous laisse. Adios, hasta mañana. Pour continuer l'émission, la connaissance sera vie. Para continuar con el programa que se llama El Conocimiento es Vida. Yo me voy. Chers frères et sœurs, bienvenue à l'émission « La connaissance, c'est la vie ». « La connaissance, c'est la vie » est une émission qui vous aidera à vivre la parole de Dieu. Elle vous permettra d'apprendre et de parler beaucoup de langues étrangères. Du lundi au vendredi, à partir de 7h du soir, en direct sur Facebook avec votre ami Paul Diver, dit Pablo, une émission à nul autre pareille.